Salut tout le monde! Oh ouais, salut à toi aussi. Bon bah écoutez, on commence une nouvelle aventure. Notre troisième. Attends, on va enlever. Voilà. Je ne gère pas du tout les touches de ce jeu. Voilà. Donc, on va commencer une nouvelle aventure, comme je disais, avec notre nouveau dinosaure. C'est un carnivore. C'est un carnivore qui fait 150 kg, qui court à 39 km/h, qui a une puissance. Dans la mâchoire assez minime, on va dire, et qui s'appelle Dilophosaurus. Le Dilophosaur, le Dilo, quoi, tout simplement, j'ai appelé Dilo. Mais bref, voilà. Et celui que j'ai, vous voyez ici, le Dilo, du coup, c'est vraiment une petite saloperie. Ah, vous allez voir, c'est vraiment une petite saloperie. En fait, ouais, il a pas beaucoup de force dans la mâchoire, mais regardez-moi la taille de ses dents. Ouais, ses dents et ses petites griffes là. Voilà. Ben en gros, lui, il fait des énormes dégâts de saignement. Quand je dis énorme, c'est énorme. Et en fait, c'est vraiment un chasseur d'embuscade. Genre, il a une bonne petite accélération, il a une bonne endurance. Et il a une vision nocturne qui est gigantesque, vous verrez la nuit, hein, du coup. Et du coup, c'est un chasseur d'embuscade qui se cache, qui attend que sa proie ne bouge plus. Qui met un coup, qui repart se cacher, qui crie, ils auraient mettre un petit coup de précision, et qui réattaque, et en fait qui fait, qui vide sa proie de tout son sang, et après qui se régale avec sa carcasse en gros. Donc ouais, c'est vraiment une petite saloperie. Bon, celui-là, il se joue en groupe quand même, parce que tout seul il est relativement faible, je pense que je me fais one shot. Je pense que je me fais one shot par à peu près tout le monde en combat, mais en groupe il est extrêmement fort. Il est extrêmement fort. Moi je pense que c'est les dinosaures les plus forts du jeu si tu le gères bien. Donc bah, on va essayer de vous montrer ça. On va faire notre petite vie. Voilà, dans un premier temps il faut trouver de l'eau. Ah bah, par là-bas, très bien. Ah, on va y aller en courant. Et vous allez voir l'endurance qu'il a. Vous allez voir, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Bon. On est combien sur le serveur? 118. Très bien. C'est pas mal. Le problème en fait du jeu que je commence à avoir. Enfin, je commence à avoir. C'est pas une surprise, hein, c'était déjà comme ça. Mais en fait, j'ai des petits lags. Et enfin, tout le monde les a. Hein, mais tout le monde ne les a pas forcément au même moment. Et en fait, ces petits lags, parfois, ils peuvent vraiment te foutre dans la merde, quoi. Ils peuvent vraiment te foutre dans la merde. Genre, toi, tu lags, du coup, tu restes à l'endroit où tu es pendant une demi-seconde ou une seconde entière, carrément. Et si bah, tu es coursé par un ennemi, bah, lui, parfois, bah, il peut ne pas laguer au même moment que toi. Et du coup, il te rattrape et tu te fais bouffer. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, par exemple, un lag comme ça, vous voyez. C'est assez terrible. Alors, je sais pas si... Je sais pas... Je sais pas à quoi c'est dû en vrai, mais c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant ce petit lag. Faudrait essayer de se trouver une famille de Dilo en fait. On va voir, hein. On va arpenter la map et on verra. Regardez l'endurance, hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Bon, après il court pas très vite, mais. Il y a des trucs qui gueulent un peu partout, ok. Très bien. Et puis il grandit très vite. Oui, il grandit très vite. En 2h10, on est full. Totalement full adulte. Full puissance, quoi. Du dino. Donc, du coup, c'est pas mal. Donc, là, on est déjà à 78%. On met 50 minutes à passer adulte. Et quand on est adulte, on met 60 minutes à devenir totalement full. L'eau, ouais, elle est là-bas. D'accord. Qui dit eau dit potentiel dino, hein, évidemment. Genre voilà, là les lacs comme ça, vous voyez, genre ça. Un lac comme ça, c'est catastrophique. Non, en fait, je vous dis ça parce que je me suis fait tuer en tant que dilo, justement. Comme ça, quoi. Bon, après, j'étais en train d'attaquer un T-Rex. C'était pas une bonne idée, mais.
Mais ouais, du coup je le croquais, hein, ça se passait bien, j'étais en position de force, hein, j'allais le fumer, quand même. Mais en gros j'ai lagué et bah, il m'a croqué quoi. Il s'est téléporté à côté de moi d'un coup. C'est une chose qui est pas trop plaisante, on va dire, de mourir comme ça. Et en fait il lag beaucoup, 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 beaucoup. Alors je sais pas si c'est mon PC qui déconne, si c'est la co internet ou si c'est carrément le jeu. Moi je pense que c'est le jeu, hein. Parce qu'en vrai, je vois pas. Je vois pas pourquoi mon PC déconnerait sur ce jeu. Non, je comprendrais pas. Il y a un truc qui crie là. Je pense qu'on va aller, grailler. Oh. Ça, je pense que c'est un triceratops. On va renifler un coup là, l'eau doit pas être très loin. En vrai, ce dinosaure est. Il a pas faim et pas soif souvent, donc ça c'est pas mal. Mais bon, si on peut avoir un petit peu de nourriture à côté. Hein. On y va en marchant tranquille parce que si on doit courir. Hein. Si on doit courir, il faut garder un peu d'énergie. Petit raptor là. Qui vient de se faire tuer. Oh putain. Ah. C'est pas du tout un triceratops, hein. Vas-y, vas-y, m'embrouille pas, toi. Juste bord. Il est costaud, lui, hein. Est-ce que je peux piter un peu là? C'est notre raptor ça? Vas-y tranquille les gars. Juste boire. Salut! Pourquoi tu t'approches comme ça là? Vas-y, vas-y. On n'est pas potes tous les deux, dégage. Je suis tout petit là. Tu vois pas? Et ouais. Ton pote. Ah bah, c'est bien la compassion. Vas-y, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille le raptor là, éloigne-toi, reste-toi. Vous me parlez pas? Je sais pas. Vocal. J'ai envie de bouffer moi. Ah, ça bagarre. C'est bagarre. Juste manger un coup. Ils me font peur quand même. Juste un petit peu. Je mange ton pote 2 secondes. Ne vous énervez pas tous. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Vas-y, laissez-moi tranquille. J'ai plus faim, je me casse. Je me casse. C'est bon. Ouais, je m'arrache. Je m'arrache. On va même se cacher, hein. Parce que là, ça traîne beaucoup. Vas-y, je vais enlever le chat aussi, là. De toute façon, ils se disent rien. What the fuck? Eh, ça traîne dans tous les sens ici. Un petit dilo là qui me répond. Petit dilo! Frérot! Bon, en tout cas, c'est sympa ici. C'est plutôt sympathique. Je pense que bah on va rester vers là. Hein. Il y a d'autres dinos, c'est un peu le but quand même.
On va checker où on est sur la map. Moins 468, moins 121. On est. Donc, du coup, ça se voit, on est là. Alors, on est ici sur la map. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal. On est à South Trains. Je vais zoomer un peu, ça se voit pas trop de là. Tac. Voilà, bah, on est à South Trains. Je pense que c'est un bon petit coin. Hein. Du coup, je pense qu'on va rester, c'est possible. C'est possible qu'on reste vers là, on va osciller entre les deux lacs. Et... Ça, c'est un coin qui est assez connu sur la sur ce serveur où les il y a pas mal de dinos qui traînent, donc on va rester là. Retour au jeu, du coup. Ah. C'est le bordel. Salut! Moi je me cache dans mon herbe. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de dinos vers ici. Ah, ça va être la bagarre! Vas-y, battez-vous, offrez-nous du spectacle. Ah. Mais lui il a l'air vénère, faudrait pas qu'il me voie quand même. Il a pas l'air content lui hein. Bon, il a pas l'air content mais il se casse. Et ouais, c'est la loi du plus gros. Ouais, bon. En gros là l'objectif ça serait bien de trouver un petit groupe. Petit groupe de Dilo. En vrai, je sais pas si on va y arriver, hein, genre à survivre. Ok. Bon, les stats augmentent, hein, je passe. C'est vrai que moi je regarde, mais sur YouTube ça. Faut que je laisse un peu plus longtemps. Donc, les stats augmentent, j'ai pris quelques kilos, un petit peu de puissance. Voilà. Je suis à 83%. Parce que j'ai un peu faim. Ouais, j'ai un peu faim, j'ai un peu soif. Vas-y, toi le. Après, il y a quand même beaucoup de trucs là. Je suis pas super rassuré de rester à côté là. Vas-y, s'il te plaît, moi j'ai rien demandé. Hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Cris gentil. Vas-y, bon, on va se barrer. Je sais pas ce qu'il me veut, lui. Bon, lui, il s'en fout complètement de moi. Vas-y, 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 lâchez-moi tous là. Vas-y, vas-y, battez-vous entre vous. Moi, je suis un petit bébé là. Ah, j'ai foutu l'embrouille. J'ai foutu la merde. Et ouais, là, celui qui me coursait là, du coup, hein. On attaque les petits, mais pas les gros. Voilà. Bon, ouais, va. Je sais pas ce que c'est ce dino là, ça me. Il est stylé en tout cas. Bon après il a sa petite carcasse et tout, hein, il est normal, hein, il est un peu territorial du coup. Allez. Eh les gars. J'arrive d'aller piter dans sa carcasse. Wouh, un giga! Ah ouais, du coup il se casse. Vas-y, va te battre! Qu'est-ce que tu fais? Envoie-nous du spectacle! J'étais même victime! Petit giga, je peux piter? Coucou! Gentil, oh, je fais un petit son tout mignon!
Je peux pas? Un petit peu. Oh, comme. Je suis attendrissant quand même. Je joue un peu avec le feu quand même. Allez, tu veux pas crier moi dessus, hein, mais m'attaque pas. En gros, ouais, faut rester pas trop loin du plus gros, mais pas trop l'emmerder, quoi. Tu veux pas être... Ok. Bon, ça, c'est pas un son méchant, hein. Allez, me casse. Ciao. Merci pour le... pour la pitance. Là, y a full dino ici. Y a des gros bruits de sa mère là-bas. Ok, y a toujours lui. Ok, il m'a l'air de pas vouloir aller là-bas. Ah. Moi je demanderai un. Gentil les dinos. Oui, c'est mis en embuscade. Position d'attaque. Je sais pas du tout ce que c'est ce truc là. Non, pas sur moi. Pas sur moi. Wesh. Oulé. La guerre. La bagarre. Il est chaud lui, hein. La bagarre. Est-ce qu'on se... Non, on peut pas se joindre à ça. C'est le bordel. Ouais, le raptor est ici en embuscade là. Eh mais lui c'est un fou furieux lui. Il y va 3v1. Bon après il est beaucoup plus gros mais... Eh il est déboîte hein. Ah moi je peux pas me joindre à ça là. Et l'autre il peut pas se reposer là, mais faut que tu te casses d'ici gros. Et il se fait embrouiller par tout le monde le gros là-bas là. Je suis à combien de pourcents? 86. Ouais si j'étais adulte, je vous promets, je me serais joué au combat mais... Là en vrai je leur ai fait des petites, petites piqûres quoi. Petit truc à graille ici, on va y aller. Ouah mais c'est un carnage en fait. Moi je suis en mode charognard hein. Par contre, quand il est en position comme ça, il va à 2 alors. Je suis sur place. Le raptor, hein, fait pas chier. Hein. Mais lui, c'est le dominant de la région là. Il y a eu un espèce de carnage ici. Il y a des carcasses de partout. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dû être dégoûtés là. Mais il y a un nid aussi.
Rasposerie. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils discutent là. Voilà, moi je leur dis que je suis là tranquille, en paix, je veux pas de problème. Hein. Je veux pas de problème. Petit bruit de mouche là. Non, ici quand même à se faire une bonne petite carcasse sans rien faire, c'est cool. Par contre, s'il vous plaît, les raptors, hein. No problems. Vous avez une carcasse là-bas, faites pas chier. On va chasser notre première proie. Ouais, c'était un peu un meurtre gratuit, mais bon. En vrai, voilà. Comme ça, on s'éloigne un peu de tout ce bordel. Ok, du coup, pour être précis, oh, il est parti. C'est un acrocanthosaure qui fait à peu près 4 mètres de haut pour 5 tonnes. Et c'est, ça m'a l'air d'être un bon dino à jouer. En vrai, il y a écrit qu'il fait des gros dégâts de saignement, des gros dégâts de morsure, qui peut tuer quasiment tous les dinosaures de sa taille ou inférieure. C'est le plus puissant de tous à part les apex. Du coup, les apex, c'est les très gros. C'est T-Rex et Giga. Et Spino aussi. Voilà, et là vous allez voir un peu la. Par contre, il s'est fait dégager par le giga du coup. Là, il y a un giga là en face de nous. Ouais, c'est le giga de tout à l'heure hein, qui traîne. Du coup, vous allez voir la vision de nuit comme elle est élevée. Ah, déjà, vous captez, hein, comme ça va loin en comparaison aux autres dinos. Bon, d'ailleurs, je vais la mettre parce que. Parce qu'il commence à faire mieux, tout simplement. Alors, niveau haut, et ouais, t'es un peu soft, mon gros. Vas-y, on va y aller. On va aller boire, les gars. Y'a aucun dino qui me répond, c'est terrible. Y'a Hawk. Tu veux quoi toi? Je fous la merde. Oui, il vient juste de me voir là. Lui il doit avoir vraiment une vision nocturne éclatée. Hein. Oh c'était un giga. Hein. Ouais. Là on le voit un peu, vous voyez. Et lui c'est sûr et certain qu'il ne nous voit pas du tout. Allez Dilo, vous êtes où? Ok, bon du coup pas sûr qu'il n'y a pas trop de dilo dans le coin, on va se cacher là, on va attendre la nuit. C'est bon, il a ça à manger lui autour de lui. Coucou. Petit charognard hein. Tiens petit charognard. On se pose ici. On est bien là. Regardez, il y a des raptors qui gueulent, ils s'en foutent complètement quoi. Et quelle heure là? 2h24 du matin. On est protégé par par lui là. Bon, et il me protège. Ouais, il commence à en avoir marre lui.
En gros, là, on a passé toute la nuit collé à la carcasse de Rex, sous la protection de cet accroc qui fait fuir tous les raptors. Qui fait fuir tous les raptors. Mais je sais qu'il y en a un qui sait que je suis là, il m'a vu. Il est passé à côté de moi tout à l'heure. Et lui, il va perdre patience, il va en bouffer un. Vas-y, je l'embrouille, j'ai envie qu'il se batte. Vas-y, va te pétave. Non, il doit se déco. Terrible. Terrible, ma protection s'en va. Aïe, 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 aïe. Vas-y, 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 croque-les, croque-les. Bah du coup je vais bientôt devenir adulte. Je pense qu'on va passer pendant la nuit, hein, c'est pas grave. Hein. En vrai, hein. Il est plutôt pas mal ici, non? Bien caché. Bon, je pense qu'on va finir la nuit comme ça, tranquille. On verra demain ce qu'on fait. Hein. De toute façon, on va devoir bouger. Hein, parce que lui, il va se barrer. On va manger un coup. Aussi. En vrai, moi, j'ai trouvé. Hein. J'ai tapé l'incruste. Moi, j'essaie de ma coquinette. Oh, il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré. Je suis seul. Aïe. Il y a un gros truc en plus qui vient de gueuler. Ouais, faut qu'on se mette full là avant qu'il arrive. Ok, salut. Bah ouais, nouveau garde du corps. Salut, salut toi. Et voilà. Wolf. Bon bah du coup il a dit qu'il prenait possession des carcasses hein. Ok. Et du coup tu prends possession de moi aussi. Il me regarde depuis tout à l'heure. Par contre il met 3 heures à bouffer le dilo là, c'est incroyable. Ça fait 1 heure que je mange. Fait jour et tout quoi. Putain, c'est incroyable. Ah, quand même. J'ai dit que j'étais compris avec les carcasses. Ah ouais, on peut évoluer. Du coup, je vais peut-être paraître un peu moins sympathique là. Ah,
Je vais évoluer, ça va pas lui plaire. Je me casse. Oh ouais, je me casse. Oh putain, ouais, ça n'y a pas plus là. Comme prévu, ça n'y a pas plus. Ça va, wesh. Le giga là, on peut sauter ainsi. Là, faut que j'aille boire. Bon, je vais aller boire. Wolf Shadow là qui domine un peu le coin là. Gentil, gentil. Peace and love. Peace. Bon. Bah, du coup on a évolué hein. Toujours là. Regardez comme il est beau n'empêche. On va s'éloigner un peu quand même. Hein. Regardez comme il est beau. Franchement, il est trop beau. Les couleurs et tout, là, je suis trop fier de mon petit dilo. Bah, pourquoi j'ai toujours 12 là hein. Mais lui va se faire fumer. Fuis. Fuis, chante. Non, c'est pas un chante, c'est un para. Il y a trop de. Il y a trop de carnivores par ici, gros. Là, gros, je te conseille de partir. Hein. Gros, barre-toi. Ouais, tu vas mourir, hein, si tu pars pas, c'est sûr. On observe la zone. Pas trop ce qui se passe ici. Le para observe aussi. En vrai, j'ai envie d'aller le bouffer le para. Je sais pas si en 1v1 je peux le faire. Gentil, gentil, gentil. Tranquille, hein. Je t'avais prévenu toi. On va essayer de le bouffer solo. 1v1 para. J'ai raté mes touches, je voulais lui parler. Je vais le fumer, je vais le fumer. Thank you.
pourquoi pas que je fasse d'erreur quoi. Je sais pas s'il court plus vite que moi en fait. Ah oui. Si si. Est-ce qu'il a une grosse endurance? En vrai, je pense qu'il est plus fort que moi. En vrai, je pense qu'il one shot. Ah, tu bleed. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. Parce que bah il s'est quand même passé pas mal de choses et on verra ce qui se passera par la suite. On va essayer de se faire ce para, rencontrer un autre Gilo, ça serait quand même pas mal. Du coup rendez-vous dans l'épisode 2 pour voir ce qui va se passer. Et moi je vous dis ciao guys.